Mon oncle, est-ce que tout va bien? Ah super, il s'appelle Sid. Bah il s'appelait Sid, bah je vais l'appeler Sid. On va l'appeler Scorpios. Karim, tu es de retour. Le mal continue à s'étendre. Nous avons le pouvoir du cristal ainsi que l'épée de Claude. Ça devrait suffire à vaincre le mal qui se cache dans la citadelle des ombres. J'ai aussi trouvé métal pour manier l'épée. Ah tu m'étonnes, moi je manie bien les épées. Je la manie à deux mains. Je parle toujours de mon épée, hein. Allez, pas si vite. Vous aurez besoin de l'amulette de Gorn pour entrer dans la citadelle. A few minutes later. Ah, la première partie de l'amulette. Et ben voilà. Regarde autour de toi. Ces arbres sont tous morts. Le mal a commencé à corrompre le bosquet sacré. Nous allons vite rentrer à Goaïa et parler à mon oncle. Nous avons trouvé la deuxième moitié de l'amulette. Alors qu'il est trop tard. T'inquiète, je vais aller la chercher tout de suite, ton amulette. En vrai, j'ai la flemme de parler à l'oncle. On va directement se barrer. Parce que moi, dans mes souvenirs, quand j'ai fait le jeu, j'ai fait l'or en premier. Et c'est ici qu'on trouve la deuxième partie de l'amulette. C'est vrai, c'est des derniers, au secours. Le bon MOBA qu'on aime ou qu'on aime pas, en fait. Moi, je prends les douches. Attends, petit point de sauvegarde, désolé. Moi j'ai pas le time, j'ai pas votre tard. Alors comme vous pouvez voir sur ce stream, je suis en train de main Jinx là. Dites-vous qu'il y a des gens aujourd'hui qui jouent à des MPORG. Est-ce que vous êtes chaud? MPORG, MPORG, à ce moins Frédé. MPORG, MPORG, souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un MPORG, MPORG, voilà. MPORG, 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 ça s'appelle comme ça, je suis désolé, ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORMRPPPPRO, MMMPORO, PPPPPPG, voilà. MPORG étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Je sais même plus où est-ce que je dois aller avec. Non, je pense que je suis dans la bonne direction. Hein. Ouais, il y a un coffre, je suis dans la bonne direction. Ouais, j'étais dans la bonne direction, effectivement il y a un boss. T'as pas se passer comme ça. Ah c'est un mage en plus, oh le bâtard. Ouais attendez parce qu'il y a ma barre de vie aussi qui descend avec. Qui est-ce qui va mourir, lui ou moi? Évidemment que c'est lui qui meurt en premier. Deuxième partie de l'amulette. Eh oui, voilà. Bien joué, vous avez trouvé l'amulette. Pour m'entendre, entrer dans la citadelle des ombres. Bonne chance. C'est toi la créature qui a ravagé mon village? Mon nom est Zephyros. Vous êtes venu de loin pour me trouver. Non, c'était pas très loin, il suffisait d'aller juste un peu à l'est du village et puis bah je t'ai trouvé quoi. Vous dites pas assez fort pour m'affronter. Je vais vous le prouver. Et ben c'est ce qu'on va voir. Kame, oh, Kame, 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 Amea. Il va lâcher un Kame, Amea. Il va lâcher un Kame, Amea. Ah, ah, ah. Ah. Nous continuerons jusqu'à la mort. Soit. Ah. Karim. Non, en vrai, mon personnage, il a une voix virile. Karim, tu étais un frère pour moi. Tu t'es battu. Karim, non, Karim, tu t'es battu pour moi. T'étais un frère pour moi. Frère de sang, on a fait la guerre ensemble. On a fait le Vietnam, rappelle-toi. J'ai mal. Votre pouvoir spécial est éveillé. Fils du dragon. Oh non. Et ah, c'est Nawak. Babamout. Non, non, Babamout. Oh, ce qui s'est mangé dans la gueule. Tu crois m'avoir battu? Je vais retourner à l'arbre de mana. Et quand mes blessures seront guéries, j'en finirai avec ce monde. D'accord, ah, t'es comme ça, mec. Donc là, il y a un ghost qui va te mettre des patates de foin, qui t'envoie un dragon sur la gueule, c'est... Ah, 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 je suis fatigué. Oh, je vais détruire le monde. Karim n'est plus de ce monde. Je sais qu'elle est avec Metal, son pouvoir restera avec lui pour toujours. Super, j'ai le pouvoir de... Pas le pouvoir de quoi, du coup? Mais si moi, j'ai pas envie de sauver le monde. Vas-y, je te donne mon épée, vas-y, je te donne mon épée. Démerde-toi avec ton vaisseau et en forme de sgeg, là. Je vais te donner mon vaisseau volant. C'est le seul moyen d'atteindre l'arbre de mana. Le destin du monde est entre tes mains. Super. Maintenant, j'ai le vaisseau en forme de sgeg. A few minutes later. Le Sboobicopter! Si tu m'apportes de la bonne viande, je te donnerai quelque chose en échange. Ouais. Ah! Allez, bon, on a trouvé notre chocobo, il est là! C'est ça. C'est un mini-boss le truc? Spécial, je peux toujours pas appeler le Babamut. Après, on peut attendre aussi, hein, au lieu de se forcer à utiliser des potions et je ne sais quelle connerie, hein. Ah, Babamut! C'est bon, c'est bon! Voilà! J'aime la cuisson à l'étouffée. Le Sboobicopter!
Le Spoopy, Spoopycopter. Non, vraiment, y a que moi qui vois un zob, je suis désolé. Alors, c'est bon, tu la veux ta viande maintenant? C'est bon, t'es content, c'est mon plat préféré. Tu me la donnes? Oui, vas-y. C'est quelque chose pour toi. Et voilà, il donne un cœur bonus. C'est pour ça. C'est virus. Je t'attendais. Ah, tu es enfin venu. Il y a longtemps, mon peuple habitait ces terres. Mais il a été attaqué et chassé pour ses cornes. Je suis le seul survivant. Oh, arrête de raconter ta vie, on s'en bat les couilles. J'avais plus le pattern, c'est bon, là on le baise. C'est free, c'est gagné, c'est la fin du jeu. Allez, encore un petit coup là. Voilà. Ok, là par contre je l'ai raté. Complètement raté. La musique est trop épique. Pourquoi les boss ils nous montrent toujours leurs points faibles? Ils sont un peu débiles. Passe 3. La bouboule. Voilà, c'est ça ta forme. Moi je la préfère celle-là. Tu as détruit mon armure de pierre. Mais sous cette forme, tu ne peux plus m'atteindre. Je vais te détruire. Tiens. Ah bah voilà. Ah mais s'il suffisait de jouer au tennis aussi. Tiens. J'ai vu tant de choses incroyables durant tous ces siècles. Il est temps pour moi de rejoindre mon peuple. Salang des virus. C'est vaincu Zephyros. Ah oui, j'ai dit Zephyros, c'est Zephyros. Et bah voilà, on a terminé le jeu. Je sais pas en combien de temps on l'a fait. Mais en vrai, ça reste un super jeu. Hein. Et volant classique fait en 48 heures, le Loom de Hunter. Et bah ouais, c'était un jeu indé. C'est pour ça que l'histoire du jeu, le scénario est très très simple. Et c'est pour ça qu'ils en ont fait une suite. Parce que justement, le premier a eu énormément de succès. Et justement, je sais que le deuxième jeu, niveau gameplay et référence, on sera extrêmement servi. Voilà, inspiré de The Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Diablo et bien d'autres. Pour ceux qui regardent la rediff, ou même ceux qui regardent la vidéo montée directement sur YouTube, bah merci d'être passé, merci d'avoir regardé ce let's play, ce walkthrough, ce playthrough, enfin je sais pas comment j'appelle ça. Si c'était pas du coup, laissez un petit like sur la vidéo et aussi commenter dans l'espace commentaire. Allez, salut!